Bonjour. Les 37 mouvements essentiels, mouvement numéro 33 et 34. Un pas en avant et donnez le coup de 7 étoiles. Suivez pas un pas en arrière pour chevaucher le tir. Donc, une petite jolie séquence de deux mouvements. Commençons dans simple fouet pour faire le serpent qui rampe. La deuxième. Et ici, le bras gauche fait un pang. Pang jing. Vers le gauche, lui arrive un coup vers le haut. Il se rejoint là. Comme ça. Relativement simple. Fais attention, tout ce qui arrive sur le même axe ici, l'axe de talon, la ligne entre les talons. Donc, ici, quand on monte, les orteils rejoignent la ligne du talon. La posture est compacte. OK? Comme ça. Quand on parle le pas en arrière, c'est la même chose. On prend un pas en angle, 45 degrés. Talon, les talons, comme ça, ici. Alors, les 7 étoiles, cou est comme ça, les mains sont relaxes, pas serrées, ok? La force va venir de l'intérieur, ça le tai chi. Donc, ça arrive comme ça. Maintenant, chevaucher le tigre peut ressembler à la grue blanche qui déploie ses ailes, mais ces ressemblances sont très superficielles, disons. Parce que, en réalité, déployer les ailes de la grue blanche est un mouvement vertical. Chevaucher le tigre, on est sur un tigre. Donc, la figure est horizontale. Et les applications sont très différentes. Mais les deux mains ne sont pas égales comme ça. Bon, il revient. Pas ça, mais un est plus haut que l'autre. Dans cette manière. Comme ça, à peu près. OK? Ici. Très ouvert. Fermé ici. Ouvert. Fermé. Les coudes mènent le haut du corps. Et on s'assoit solide en arrière. Autre chose, quand on monte, on prend le bras en avant, ce pas-là peut devenir un coup de pied ou un jambe pour trébucher, etc. OK? De toute façon, tout le poids est en arrière. Ici, c'est très léger et ça peut aussi connecter pour faire un fajing ici. Voilà, mouvement numéro 33, 34, pas si compliqué, j'espère que vous allez prendre le temps pour pratiquer un petit peu et améliorer ça comme il faut. Merci beaucoup, on se voit très bientôt, bonne journée.